Aujourd'hui, je vais parler d'une femme qui s'est faite égorger dans un terrain vague à Vigneux-sur-Seine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, en fait, c'est un promeneur qui est passé, qui a fait la macabre découverte d'une femme d'une cinquantaine d'années qui s'est faite égorger et il l'a retrouvée dans le terrain vague. Est-ce que maintenant on a plus de précision? Bah non, en fait, on sait juste que. En fait, les policiers, ils croient que c'est une femme originaire d'Europe de l'Est, parce qu'ils ont trouvé des papiers, mais c'est pas ses papiers d'identité, ils ont trouvé des papiers et tout, avec écrit dans une autre langue venant d'Europe de l'Est. Ils peuvent savoir d'où elle vient exactement, d'après cette langue ou... Bah non, en fait, ils savent toujours pas, mais en fait, ils se sont renseignés pour les disparitions, mais rien. Mais il n'y a aucune disparition qui a été signalée pour une femme d'une cinquantaine d'années, donc on ne sait toujours pas l'identité de la femme. On pense qu'elle aurait été tuée par quelqu'un. Oui, on pense qu'elle se serait fait égorger dans le terrain vague par quelqu'un. On ne sait pas. Pourquoi on voudrait faire ça? Bah, peut-être qu'elle est passée par hasard et puis qu'il y a quelqu'un, bah, en fait, un fou qui l'a égorgée. Comment elle se serait retrouvée dans ce terrain vague? Bah, peut-être qu'elle se promenait parce qu'il y a la base de loisirs qui est pas loin du terrain vague. Tu connais bien cet endroit? Bah oui, des fois j'y allais, je vais faire du vélo et tout, donc je connais bien, ça va, c'est derrière chez moi. C'est derrière chez toi? Oui. T'aurais peur d'y aller maintenant? Bah oui, quand même, parce que bah déjà il se passe pas mal de choses aux abords du lac et tout, donc moi j'aurais quand même un peu peur d'y aller. Quelle chose? Bah en fait, des meurtres, des viols et tout, bah ça c'est, il y a plein de choses qui se sont passées. Et puis bah moi je préfère ne pas m'y aventurer, hein.